vinaigre qui lui agrada vos pas sa coulou. Dilun, Louloup assagé loup verde. S'est trempé la pâte dans une toupine de peinture verte et s'est n'impeint tous les djelou corse. Je m'appelle Simon L'Héritier, je suis originaire de Nîmes. Je suis auteur et étudiant en création littéraire et je suis ici pour enregistrer en occitan la version audio du loup qui voulait changer de couleur. Peut-être on peut enfin, plus dans l'intonation, le trop triste, là je n'étais pas très marqué peut-être. C'est trop triste, celui-là, ouais. J'aurais pu faire plus... Un peu plus triste, plus ouais, bon, un peu. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Ok, hop, vas-y. Trouba vos loups nègres est trop triste. Comme vous dites juste avant qu'il le crie, vous devez le crier. Mudio, isha. Plus fort. Ah, vous devez le crier, vraiment. Il faut qu'il retrouve un petit peu l'esprit de la langue corse dans des situations diverses, c'est ça. Voilà. Isha, ça veut dire, bah, et en faisant la grimace, si on avait l'image. Isha. Ben, la langue corse, si vous voulez, c'est une langue qui, à l'origine, était plutôt orale. Et donc, dans les années 70, on avait peur de perdre la langue. Et donc, on a institué une écriture, une orthographe, qui ressemble beaucoup au dialecte toscan, du vieux toscan. C'est plutôt amusant de raconter des histoires comme ça en alsacien, parce que ça me rappelle mon enfance. Moi, quand j'étais gamin, mes parents me racontaient aussi des histoires en alsacien. Alors souvent, ils les traduisaient en simultané, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient éditées en alsacien à mon époque. Yes! Bon, bah, on va aller juste au Xif. Ok. C'est une brèche, hein? Ouais, c'est vrai, quoi. Un briseur de langue, on appelle ça en alsacien. Pour moi, une des réelles difficultés, et je pense que c'est le cas pour énormément d'Alsaciens, c'est la lecture à proprement dite, puisque l'alsacien, c'est un dialecte, donc c'est une tradition orale, il n'y a pas de tradition écrite, c'est ce qui le différencie d'une langue. Et par conséquent, il n'y a pas de règles écrites. Donc chacun l'écrit un peu comme il veut, comme il peut, en fonction de ses propres prononciations, parce que les prononciations changent énormément d'un coin ou à l'autre de l'Alsace, ou même d'un village à l'autre parfois. Et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur comment on le dit, comment on le lit. Parfois, il faut le lire trois fois à voix haute pour se dire « Ah oui, effectivement, c'est ça qu'il pensait, d'accord. Alors, je vais le dire de cette manière-là. » Alors, je sais que la ponctuation d'un livre est faite comme ça. Mm-hmm. Quand on écrit, c'est une chose, mais quand on le lit à voix haute, à vous de mettre la ponctuation que vous voulez, de respirer là où vous l'entendez. « Zouban areas et bau en ur pot peinture guir, hag e vastrouillas et gorf. » En breton, on va mettre ce qu'on trouve le plus important en début de phrase. Donc on choisit comment on compose notre phrase. Et donc c'est cette spontanéité-là aussi qui fait que la langue est très, très active, très, très vivante. « Stlak en reizen pas el azoutan e un en evelewer hag el aras gan eslam. Brrr, hag glaz ar o drugnus, spontus din, nag etan bet. » Du lundi, Eucheleu, il a approuvé le verre. Il a plonqué ses pattes dans un pot de peinture verte, puis ça a berné tout son corps avec. Comme c'est une histoire pour enfants, il faut prendre son temps. Pour qu'il voit bien les couleurs, qu'il voit bien, qu'il s'imagine bien, en fait, la situation. Je suis Bruno Delmotte, je suis animateur à la Maison de la Culture de Tournai. Et je suis là parce que je suis par ailleurs traducteur du Petit Prince en Picard. Et donc, on m'a demandé de venir l'enregistrer. La caractéristique principale du Picard, c'est de faire des images. C'est une langue populaire, c'est pas une langue savante, et donc elle s'exprime par images. Le Petit Prince, avec des aquarelles de l'auteur, traduction en Picard par Bruno Delmotte. Alléon verte. Je demande pardon à les enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. N'ayons scuse. Sta persona maio è un mo più bel amigo. Un digare almus, en den brasse, zo gwez dagompren poptra, zo ken leurio bugale. Ich hab noch a dritte excuse. Die Großperson wo den Frankreich, wo sie Hunger und Kalt hat. Elle a ben besoin d'être apagée. Se le basta no gusi excuse. Ech el an dédiant ma leur dar bugale vwe gwechal en den brasse. Alli große Personen sind zerst Kinder gsin, aber wenig wiss es noch.